Entre testeron rougeau. Et si le deuxième est carré. Vous avez vu Monsieur Trémon? Oh merde. Je suis pas trop en retard. Si, comme d'habitude. Pardon ? Hop, réunion là. Putain, cette réunion, j'ai cru qu'elle allait jamais terminer quoi. Non mais faut être indulgence et... Non, arrête. Franchement, arrête. C'est pas possible, c'est à dire. Chaque réunion, il fait la même chose. Une catastrophe. La dernière fois, j'étais avec un client en pleine réunion. Il a débarqué, il a fait le gros guignol. Donc, on avait dit ce produit-ci. Quelle quantité il vous faudrait ? Celui-là, attends, 1000, au moins 100. Pardon, excusez-moi ? Au moins 100. Une centaine, d'accord. Et donc, avec une centaine, je pourrais vous faire une remise de à peu près 20%. D'accord. Et donc, ça pourrait pas... Produit numéro 2. Je me demande si elle peut me parfiler un handicap. Je pensais à mon augmentation, on en a jamais vraiment parlé en fait, et c'est peut-être le moment quoi. Bah en fait non. Juste un petit truc, le... Là il y a clignotant quand même, non? Non mais en plus je mets 35 minutes. Oui. Bah ça serait bien que la prochaine fois vous preniez le bus justement. Oui bah merde, je le mets le clignotant là. Fais chier. Oh putain. Putain un con là. Apprenez à marcher. Donc c'est pas gérable. Voilà, donc faut faire quelque chose. Et bah moi, je vais lui parler. Oh, c'est pas possible. J'ai eu, on peut parler deux minutes s'il te plaît? Ouais. C'est juste deux secondes et c'est important. Oui. Franchement parce que... Prends une chaise. On a discuté avec les autres... Ça va péter les gars. Et on trouve que t'as vraiment des attitudes... Ça va péter. S'il te plaît Gérard, écoute-moi là. Ça suffit maintenant, ok? Franchement, on trouve que t'es un peu lourd et donc on aimerait que ça change. C'est bon, le canular, j'ai compris, on l'a déjà fait la semaine dernière. C'est le counter de 17h. Excuse-moi, je dois jouer là, si tu comprends? T'es vraiment qu'un écoute, c'est pas possible. Allez les gars, counter, on cover tout là. Non, tu m'étonnes. Non mais j'ai beau essayer, hein. Franchement j'ai fini par m'énerver mais que dalle quoi. Ah mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois pas. Parce que quand même, je peux même pas le virer parce que monsieur est protégé par la convention. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que j'ai une solution. Vas-y doucement, hein. Une ou deux rotules, pas plus, hein. C'est juste un coin. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Là, je dis, non, le lundi c'est couscous quoi. Ouais, c'est couscous, oui. Bah, évidemment, pour rien. Y'a plus de touillette. Eh bien. Salut boss, ça va? J'ai trop de trucs à vous raconter, devinez ce qui m'est arrivé hier. J'ai croisé un mec qui voulait jouer au golf. Moi j'aime pas le golf. Je lui dis j'aime pas le golf. Et il a insisté, il a été relou. Un vrai lourd quoi, un vrai lourd. Du coup j'ai été obligé de le corriger.
C'est marrant, non? Et je voulais vous dire que j'ai acheté une nouvelle voiture. Comme ça, on va pouvoir se faire des petits trajets comme la dernière fois. Cette fois-ci, c'est moi qui ramène, hein. Ok? À ce soir! Bonne journée! Tourne en rond, là. Vite. Allô? Clem? Rejoins-moi en bas. Ça va saigner! Ah, t'es en train de me préparer un sandwich qui fait rire! Ouais, ça te dérange si je mange à l'intérieur? Ah non, seulement ça, t'as intérêt à le faire tourner, hein. Ah, t'inquiète. C'est un peu la marche arrière. Ouh, il t'est chargé ton sandwich. Bon, on arrive là, écrase ton sandwich. Ok. Ça y est, c'est bon. Allez, à nous, à la tranquillité. Eh hey, les gars, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé.